Salut les amis, bienvenue dans notre programme Tabata. Au programme aujourd'hui, un travail du bas du corps avec les fentes alternées dynamiques. Soit vous les faites vers l'avant, soit vous les faites vers l'arrière. Moi j'ai une petite préférence avec les fentes alternées dynamiques vers l'avant, mais j'alternerai une fois vers l'avant, une fois vers l'arrière. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Si vous avez besoin d'un petit échauffement, retrouvez-le là, juste ici. Sinon, on démarre. Je prends mon chronomètre. Et ça démarre dans 10 secondes. Allez, préparez-vous. 5 secondes et c'est parti. Fente dynamique alternée. Allez, go, hop. Une fois la jambe droite, une fois la jambe gauche. Je ramène à chaque fois mon pied à côté de l'autre. Je pousse mon genou arrière dans le sol. Je garde le rythme pour bien faire travailler cuisses et fessiers. Ok. Je vous le refais, toujours vers l'avant. Je vous fais le profil pour regarder un peu plus la technique. Allez, go, hop. Hop. J'avance mon pied, mais regarde bien. Une fois que j'ai avancé mon pied, je cherche à aller vers le bas en fléchissant ma jambe arrière. Mon genou arrière vers le sol. Ok, 10 secondes de récup. Détends bien les jambes, tes petits talons fesses. Ça permet de soulager un peu les quadriceps. Je te le montre en arrière. Hop, même principe. L'avantage de le faire en arrière, c'est que comme le poids du corps est sur l'arrière, il y a moins de tension dans le genou de la jambe de devant. Donc ça, c'est plus sécuritaire. Par contre, on a du mal à mettre le même rythme. Et c'est donc un peu moins cardio. Ok. On compte, on voit combien on arrive à en faire face frontale et combien on arrive à en faire arrière. J'aime bien utiliser mes bras pour m'équilibrer. J'en ai fait 13. En arrière, on va combien on arrive à en faire. On est à la moitié. Allez, garde bien le dos bien droit. J'en ai fait une de moins. Ça, c'est à peu près équivalent. Hein. Mais moi, j'ai vraiment plus de facilité avec la fente frontale. Allez, go! Hop, 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 hop. Fais chauffer les cuisses. Plus gros groupe musculaire du corps humain. Celui qui consomme le plus, donc, de calories. Ok. On en a 6, il nous reste 2. Reste bien droit, bien face. Tu pousses la jambe vers l'arrière. Garde les hanches et les épaules vers moi. Appuie dans le talon de la jambe de devant pour bien engager le fessier. Ok. Last one, dernier. On va refaire arrière, comme ça on aura fait 4 avant et 4 arrière. Allez, dernier tour. 8e et dernier round. Tenez bon. C'est pas le moment de ralentir. Ok. Ah. 10 secondes pour terminer le dernier round. Et c'est terminé. Well done. Bravo. On a terminé ce Tabata spécial bas du corps avec les fentes dynamiques alternées. Salut la ressourcerie. À bientôt pour un prochain Tabata.